Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hauteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui épisode 34, aujourd'hui on est parti pour continuer la quête principale. Ah, tu es le gars de l'autre fois, tu connais Monsieur Yun, bien sûr. Monsieur Yun est en train de négocier avec la dame blonde. Non. Moi je l'aime bien, je l'aime pas cette dame. Okay. Oui c'est vrai, en plus c'est encore... elle qui a donné monsieur ce masque bizarroïde qui porte tout le temps. Qui porte ce drôle de casque qu'il a changé, monsieur. Alors qu'avant il était super gentil. Ah! Tu as entendu? Oui. Ah oui, on va essayer, ok. Je comprends. Ah oui, donc on est obligé d'avoir l'équipement. Alors, faut pas avoir d'outils en feu. Ouais, donc tu sais. Enfin, sur soi. Hein. Ok. Petite cinématique. Jure! Ah ouais, d'accord. Ok, comment on fait? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah merde. Merde. Ah oui, direct c'est en feu, c'est trop bien ça. Oh merde. Bon bah il m'a eu. Bah là. Hein. Oh merde. Il a trois phases, ok. Bon, il est nul quand même. Enfin, ce que je vois. Ok. Bon, je pense que c'est pas le but qu'il soit super fort. Hein. C'est pas non plus un très gros boss. Le but, voilà, le boss sera à la fin, sûrement du lieu, je pense. Quoique. Moi, je sais pas. Ah si, ah, je... on a fait un boss. Ah mais après ça veut rien dire, ça se trouve ils sont tous différents les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me souviens de... Ah oui, ça se voyait dans tous les cas. Normalement il était c'était vraiment le bonhomme le plus gentil. Mais c'était pas vraiment Zelda, hein. Je pense que c'était les... Ah mais oui, c'est pas Zelda, c'est... C'est une ombre méchante, malveillante, voilà, qui a pris l'apparence de Zelda. Je suis sûr, c'est ça. Ah bah comme par hasard. On va être dans un donjon? Non, mais dis pas que c'est maintenant. Parce que il est assez court, c'est-à-dire. Sur l'autre, on a galéré hein, quand même. On est allé là-bas, on a dû chercher des énigmes. Enfin, on a fait des énigmes et tout, alors bon. Ok, non, ok, on est parti pour le donjon.
Qu'est-ce que c'est? Tu crois entendre quelque chose? Oui. Ah. Pas de soucis. Je suis choqué n'empêche. Hein. L'histoire elle est folle. Mince, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est la fumée rouge? Ok, d'accord. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. On va devoir donc aller à la montagne de la mort. En termes de... Ouais, donc celle-ci, c'est quoi déjà? C'est 32. Donc c'est celle-ci plus... ok. En termes de flèches, on va pouvoir... mettre des flèches de zinzin. Sommet au wagonnet. Wagon quoi, mais. Ok. Pour aller au sommet, faut prendre celle-ci. Et ben, mais pas de soucis. Ouais, non, il y en a déjà. Quoique, on n'ira pas tout en haut, je pense. Pav, au moins on a bien monté. Ah ouais, ça aurait pu être tellement une aide. Attendez, mais j'ai plus de bouclier. Ah mais oui, parce que je me suis protégé. Oh yes. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, pour monter, ça va être une galère. Hein. Moi je propose soit d'y aller. Ah ouais, mais il n'y a pas de. C'est où le moyen de monter? Ah ouais, c'est ailleurs. Bon, on y va là. Vas-y, passe. Ah oh ouais, pas besoin d'utiliser mon arme. Non! Oh, j'ai dû faire tomber un truc. Oh,
C'est de sa faute. Mais je suis bête. Ah ouais, du coup ça explose direct. Ah ouais, c'est intéressant à savoir. J'avais oublié. J'ai pas fait attention. Eh bien, on verra plus tard, hein, vraiment, lui, bon. Moi, c'est beaucoup plus important, ma quête. De la cour. C'est parti. Tac. Là, donc au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça, logiquement. Non. Ah si, regardez. On est super haut, nickel. Regardez. Et ben voilà. Regardez. Si ça c'est pas beau. J'ai pas un truc d'escalade, donc ça va être compliqué. Ok, on va monter. C'est bon, on a fait quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Ah, c'est juste ici, ok. Donc nous du coup on va déjà s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est auteur, n'oubliez pas que je kiffe. Allez, ciao.